Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je te propose un circuit training spécial bras. Ça va durer en tout 16 minutes et tu vas sentir tes bras congestionnés comme jamais. T'es prêt? Allez, c'est parti, let's go! Et n'oublie pas, si tu veux t'entraîner n'importe où, te donne aucune excuse. Télécharge gratuitement mon application sur Google Store ou App Store. Allez, ceci étant dit, c'est parti pour la congestion des bras. Boubou approche! Il nous faut augmenter notre force de combat. Allons dans la salle du temps nous entraîner avec Alex. Le burpee. Tu passes par une position de squat, tu te retrouves ensuite avec un petit saut du lapin comme je te le montre ici en vidéo, en position de pompe, tu fais une pompe, tu te redresses en squat et tu remontes en faisant une extension complète ou encore un saut comme je te le montre ici en vidéo. Les pompes, tu gardes talons, hanches, épaules alignées. Si tu veux travailler tes pectoraux, place tes mains vers l'intérieur. Quand tu descends, tu restes concentré, focus sur tes pectoraux. Bien sûr, tu vas aussi travailler tes triceps, l'arrière de tes bras, les épaules et les pecs. Mais place les mains vers l'intérieur si tu veux plus mettre un focus sur tes pectoraux. Inspire pendant la descente et souffle pendant la montée. Et surtout, serre tes abdos durant tout l'exercice. C'est parti. Tiens bon, le stade de Super Saiyajin n'est plus très loin. Donne tout ce que tu as, mon Saiyajin! Le burpee sans saut, un exercice polyarticulaire très intéressant pour augmenter ton métabolisme. Comme tu le vois aussi en image, je fléchis, je pense à faire un squat, je mets le poids sur les talons pour sentir mes cuisses travailler. Je me retrouve ensuite en position de pompe, talons, hanches, épaules alignées. Je remonte en position de squat et je me redresse sans saut. Pense à bien serrer les abdominaux et garde les épaules bien basses. Les pompes version épaule, eh bien tu vas pencher ton corps en avant et comme je te montre ici en vidéo, cette position va te permettre de ressentir tes deltoïdes. Que sont
simplement tes épaules. Là, tu vas pencher ton corps en avant, tu vas te concentrer sur les épaules et pour ne pas te faire mal, je t'invite à garder les épaules basses, non crispées et à bien penser à serrer tes abdos pour toujours protéger ton dos. Inspire quand tu fléchis tes coudes ou reste en apnée, c'est toi qui vois. Et pendant la montée, pendant l'extension des coudes, tu vas souffler. C'est parti. Les dips, jambes tendues. Contrairement aux dips, jambes fléchies, ça sera plus compliqué. Tu gardes les fesses décollées du sol toujours. Évite d'arrondir le dos. Garde les épaules basses. Serre tes abdos et concentre-toi bien sur tes triceps. L'arrière de tes bras. C'est parti! Les pompes genoux, je t'invite à placer les mains vers l'intérieur pour solliciter encore une fois tes pectoraux. Aligne trois points, tes genoux qui sont au sol, la hanche et les épaules. Donc genoux, hanche, épaules alignés, ça forme une ligne droite. Tu descends le corps en même temps et tu remontes le tout en même temps. D'accord ? Le but ici, c'est de travailler tes pectoraux, tes triceps et tes épaules. Tu vas penser à inspirer lorsque tu vas descendre et à souffler lors de la montée. C'est parti ! Gainage, flexion, extension de tes coudes. Là, le but, c'est de rester en gainage et de créer un mouvement dynamique, d'où son nom, le gainage. Dynamique, flexion, extension des coudes pour travailler à la fois tes triceps, mais aussi le gainage, donc le transverse qui est toujours engagé. C'est parti, mon Saiyajin, let's go! Je sais que le burpee, c'est un exercice qui demande beaucoup d'énergie. Tiens bon jusqu'au bout. Plus ça va être chaud, plus ton corps augmente son métabolisme. Donc tiens bon, t'es sur la bonne voie. Kaioken!
Yenjin. Ton rythme cardiaque augmente et c'est tout à fait normal. Tu es sur la bonne voie pour devenir un super Saiyajin. Tiens bon! Effort. Reste avec nous, mon Saiyajin. On est avec toi. Active ton Kaioken. Allez mon Saiyajin, va jusqu'au bout. Alex et moi on t'encourage. Active ton Kaioken. Ta force de combat augmente.
ton métabolisme s'élève. Allez, encore un petit effort. Tiens bon jusqu'au bout. Effectuer un circuit training de 16 minutes pour renforcer tes bras, dis-moi dans la barre des commentaires comment tu te sens. Regarde tes bras comme ils sont là, ils sont congestionnés. T'as vu, hein, mine de rien, le dips au sol travaille énormément même sans matériel. Confirme-le-moi dans la barre des commentaires. Mets un pouce en haut si tu as bien senti tes bras travailler et partage cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je peux également te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com et te donne aucune excuse. Télécharge gratuitement mon application sur Google Store ou App Store, mon application Alex Levent. Dans cette application, il y a des e-books, il y a plein d'explications. Mon book de musculation pour t'expliquer comment bien t'entraîner, comment bien t'alimenter. Et même dans mon application, j'ai créé une version pro, 15 programmes inédits, donc fais-toi plaisir. Et pour ceux et celles qui désirent se muscler sans vouloir attendre de retour de ma part, j'ai créé également deux e-books, e-book abdos visibles en 90 jours et pectoraux visibles en 90 jours. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Mets un pouce en haut si tu aimes ce genre de format vidéo. Et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!